Eh bien le bonjour mes gens et bienvenue pour ce nouvel épisode de Sims 4, j'espère que vous allez bien. Donc, écoutez, c'est un peu le cracra dans la maison, on va pas se le cacher. On va prendre une portion, elle va se réveiller Mélo, elle va remplir toutes les gamelles. Parce que les chiens ils ont faim, voilà. On roule pas sur l'or, ça c'est clair. Ah, ça mange. J'ai pas vu. Putain, elle s'est périmée en 3 secondes la truc. Alors, du coup. Alors, attends. Tu vas servir le brunch. Du pain perdu. Si on faisait du pain perdu. Allez, vas-y. Va cuisiner du pain perdu. Donc, on a eu un terrible bug là. Moi aussi, je bug la dernière fois. Du coup, ouais, bah, j'ai peur, moi. Quand tu vois ça, je me dis, putain, si ça se trouve, il va se passer des choses. Voilà, horribles. Ah non, mais c'est chiant que ça bug comme ça. Hein. T'es censé être dans un jeu qui est plus stable dans un sens vu qu'ils ont éliminé plein de trucs. Et puis en fait, voilà. Meilleure créature du vide. J'ai eu une dispute à l'école à propos de la créature du vide la plus puissante. J'ai dit que c'était l'Articorne. Mais il n'arrête pas de dire que c'était le Sunizanato. Qui a raison? Ok, on va augmenter la résolution de conflit. Comme ça va l'aider dans son tufur. Donc là, les amis, qu'est-ce qu'on va faire? On va remettre un petit peu toute la famille en état. Donc du coup, il va rentrer plutôt du travail pour dormir, se reposer. Et on va partir en vacances dans cet épisode. Voilà. Bah oui, il faut bien. Alors je sais pas où, je sais plus comment on fait, mais on va laisser déjà Tonton se reposer là. On va prendre des gens, on téléphonera. Pour prendre un jour de congé, gourou de technologie, assister à des cours de compétences. Il n'y a pas. Non? Moi, je sais plus. Par contre, ouais, pour partir donc en vacances, comment il faut faire déjà? Ah ouais, moi, ça fait longtemps. Hein. Ça fait longtemps, les amis. Donc, on va utiliser. Elle va programmer. Foyer peut-être? Partir en vacances, voilà. Donc bien sûr, on peut pas faire que le foyer. Tac, tac, tac. Si nous, techniquement, on aurait pris les chiens. Donc voilà. On va partir en vacances, les amis. Je pense qu'on va partir plusieurs jours. On va voir déjà où on part. Soit on prend Granite Falls, mais c'est. Ah ouais, mais attends! Ça veut dire que le truc des îles, tu peux pas aller en vacances en fait. T'es obligé d'aller dans le quartier pour acheter une maison. Donc techniquement, en fait, en gros, les trucs de vacances, ils ont complètement zappé en fait dans ce jeu. Hein. Quand tu te rends compte, t'as juste Salvadorada et Granite Falls. Mais alors, dans le Salvadorada, il y a plus de choses à faire, on va dire, que dans Granite Falls, hein, ça c'est sûr. Alors, on va pas se le cacher, on va venir là. Je regarde le plus petit prix. Parce qu'on n'a pas. C'est lui, je pense, le plus petit prix. Ok, on va prendre ça. Et on va partir donc. Ah, combien de jours on va partir, les amis? Et 4 jours, je pense que c'est bon. 4 jours, je pense que c'est bon. Voilà, nous y sommes dans notre petit emplacement. Par contre, il y a un truc que j'ai pas regardé. Putain, je suis bête. Il y a un truc que j'ai pas regardé. Bah évidemment. Regardez ce que j'ai pris.
comme un boulet. Et je peux pas faire de d'achat en fait. Oh, ça va être les vacances les pires du monde. Ah, ça va être les vacances les pires du monde, je te le dis. J'ai pas pensé, putain, j'ai vraiment pas pensé. Et il n'y a pas de gamelle aussi. Oh. Il n'y a pas de gamelle pour nourrir les chiens. Alors attendez. Donc c'est Mélo qui est en meilleur état là. Il y a quoi à acheter? C'est vrai qu'il y a un petit marché là. Il n'y a pas de gamelle. Est-ce qu'on peut leur donner des restes aux chiens? Oui, il faut absolument une gamelle. Ah, j'étais dans le baba. Clairement. Ouais. Ah, je me hais là. Je me dis qu'on aurait pu éviter tout ça. Ouais. Ah oui, tu peux pas. Ce terrain ne peut pas être modifié pendant les vacances. Ouais, on peut se procurer des provisions au marché. Mais oui, mais si j'ai besoin d'un lit, d'une gamelle, comment je peux faire pour changer J'aurais dû prendre moins de jours. Est-ce que vous avez un téléphone ici ou un truc? Est-ce qu'on peut changer? Je vais rentrer à la maison. Je vais rentrer à la maison et refaire parce que là finalement ça m'arrange pas du tout. Mais alors pas du tout. Alors, en plus j'ai payé. J'ai payé en plus. Alors. Ouais, mais de toute façon il n'y aura pas de gamelle et un lit, je sais même pas. Rien que ça, c'est mal pensé. T'imagines? Non mais je sais pas si vous vous imaginez, mais même ça c'est mal pensé en fait. Tu peux pas partir avec tes chiens, ils ont pas deux chambres. Huit chambres. Trois chambres. Oh, je me mets dans la merde, mais bon. Allez, hop, on paye pour 2 jours. Finalement, on restera moins longtemps, mais que voulez-vous? Il pense pas, je sais pas. Tu penses à ces jeux? Du coup, j'ai pas pu prendre les chiens. Ils doivent être en pension, à son domicile. Ah, ben ils sont à la maison. Ils vont mourir. Ils vont mourir. Comment on fait? Bah écoutez, on va passer des vacances. S'il meurt, bah je referai un chargement. Voilà. Voilà, mais je voulais qu'on profite un peu de vacances. Les pasta primavera. C'est vrai que c'est ici qu'on peut apprendre certaines nourritures, tout ça. Allez, c'est tonton qui va s'y coller. Mélo, ça va. Le bébé dort sur la chaise haute. Amélia dans son lit. Bah oui, en plus, ils ont pensé à un délit. Mais... Ah si, ça va. Purée. J'ai eu peur. Et du coup, ils avaient pensé à des gamelles ou pas? Non, ils n'ont pas pensé à des gamelles. D'accord. Bon, ça fait peur quand même. Je veux pas dire, mais voilà. Donc, tonton a préparé à manger. Il y a mon téléphone qui délire, oui, parce que j'ai mon téléphone en même temps. Mais il délire bien, parce qu'en fait, si je le mets avec le chargeur, le problème, c'est que j'arrive plus à faire le pavé tactile ou quoi, ça plante. Allez-vous savoir pourquoi? Jongi? Oh, le bébé est en colère.
Mais c'est vrai que t'as un lit ici, du coup, bah vas-y quoi, va dormir hein, maintenant. Regarde, Amélie, c'est pas privé, elle est arrivée, elle est direct au dodo. Du coup, ah ouais, mais tant tu veux faire crac-crac là, par exemple, bah c'est un peu la merde. Ah non, mais il y a d'autres chambres, c'est bon, j'ai trouvé, vous inquiétez pas. Ce sera beaucoup mieux. Voilà. Voilà. Comme ça, ils sont déjà heureux à peine arrivés en vacances. Pourquoi il... T'es con, toi? Attends, il est avec sa femme. Il quitte le lila pour aller de l'autre côté du lit, quoi. Purée, je te jure. Donc, comme on a 2 jours, en fait, on verra pas grand-chose. Mais bon. J'ai envie de dire, c'est mieux que rien. Allez, on va prendre une douche pour Mélo. Tonton, lui, il dort encore. Améliac, où va-t-elle? Elle va chercher à manger, bien sûr. C'est qu'en plus, ça passe vite des vacances, hein. Des fois, tu pars, mais... Moi, je me souviens, quand je partais en vacances... Ah, ça date, hein, que je suis pas parti en vacances. La dernière fois, si, c'était avec Mélo en 2017. Mais sinon, avant ça, c'était en 2006. Alors, vous imaginez, près de 11 ans plus tard, je suis reparti en vacances. Mais de ce que je me souviens, quand j'étais plus jeune, qu'on partait en vacances, bah, des fois, on louait pour une semaine. Et bah ça passait très vite en fait. Ça passait très très vite. Donc Amélia s'amuse toute seule, donc ça c'est bien. Du coup, ça lui fait esquiver ses devoirs là. Ah bah non. Elle va faire ses devoirs quand même. Voilà. Ah bah il n'y a pas de jauge. C'est pas grave. Tonton va pouvoir se réveiller, prendre une douche et aller aux toilettes. Voilà. Amélia travaille toujours. La fête des récoltes. Ok. J'ai oublié ce truc. Donc là, Mélo débarrasse. Qu'est-ce qu'on peut mettre dedans? Ah, on peut rien mettre. Ok. Bah écoutez, Mélo, elle va aller faire une petite balade sur la place du marché qui n'est pas encore ouvert, je pense. On va attendre, c'est vrai qu'il est que 6h50. C'est dramatique. Ok, alors on va se faire un petit... Elle est où la cuisine? Un petit déjeuner. Fruits et yaourts. Wow. Alors. Il n'y a pas de baignoire pour le bain. Ah si. Alors priorité. Au manger. Alors, servir le petit déjeuner, des teufs avec œufs. Allez, vite, vite, vite. C'est primordial. C'est pour le... Bah, qu'elle mange aussi. Ah si, elle lui a donné à manger, regardez. Pfff, on a eu chaud. On a eu chaud, les amis. Alors, par contre, maintenant... Alors, on va... Ah les nains, ah non, c'est encore ces trucs à la con, les gnomes. Oui, je me souviens. Quand on avait vu ça dans un des let's play. Bah, du coup elle va donner... Ah oui, mais ils popent partout, même on pouvait donner un coup de pied et tout ça, c'était... Ouais, c'était sympathique. C'est pas non plus un truc de fou, mais voilà. Donc comme ça, voilà. Elle sera lavée, tonton il est bien. Amélia, elle est bien, elle va aller prendre un bain, tiens d'ailleurs. Voilà, comme ça tout le monde sera prêt. Voilà, et là, Mélo, elle va aller au marché. On va voir ce qu'on a, voir l'inventaire. Enfin, non, c'est à elle qu'il faut commander, pas enfin, à lui.
On va essayer de marchander. Donc le marché, la petite place. 11h24. Et il s'est barré. On va acheter des produits secrets. Donc là on peut acheter tente, banc, feu, dormez moins, courez plus. Balle de tennis, peut-être que c'est... Bah oui, là on peut acheter les gamelles, voilà. En fait là en gros les gamelles on peut les acheter là. Malheureusement, trop tard. Bah, j'aurais dû tenter, hein. J'ai pas tenté donc... Mais bon. Alors pendant que Milo allait au marché, tout ça... alors, Amélia, qu'est-ce qu'elle a? Elle fait du viol. Tonton, lui, va partir. Oh, c'est joli ce coin-là. Tonton va partir quelque part sur l'île. On n'a pas d'équipement. Où on va aller? Marché. Ouais, ben là, on y est. On va aller au bar. Allez. Mais alors, qui garde? C'est Amélia qui garde la petite, alors. C'est que c'est compliqué, là, pour une nounou. C'est très compliqué. Voilà. Donc, on arrive au bar. On va commander une petite boisson. On va voir ce qu'il y a en termes de boisson. Le plasma Marie, allez hop, on prend ça. Allez, mise à la garderie. Putain, ils sont fortifs, ils trouvent une garderie là quand même. En fait, j'ai dézoomé pour rien parce que regardez, le marché est à côté, c'est vrai. Ah mais ça, on fait des bourdes là, on fait des bourdes. On boit un petit coup. C'était où déjà la chaîne Ifi dans ce bled? Ah, c'est juste les enceintes en fait. Tu veux pas danser? Allez. C'est la fête. Voilà, dala di dada, dali da di da. Les musiques, ils étaient bien quand même quand ils ont rajouté avec ça. Hein. Moi, je trouve qu'ils étaient bien. Ça rajoutait un petit côté festif, là, je trouve. Alors, plus de choix, commander à manger, des bananes plantain. Allez hop. Pauvre chien, il a l'air malheureux. C'est vrai qu'on voyait pas des chiens avant. Il n'y en avait pas, je crois, des chiens et chats avant la sortie. Bah, des chiens et chats, évidemment. Mais du coup, ça fait bizarre d'en voir là. Eh ? Elle a fermé ? On va rentrer. C'est un truc de ouf. Bon, ce sera vite. Mais ouais, encore une fois, je trouve qu'il y a... C'est con qu'on peut pas aller sur l'île paradisiaque pour juste être en vacances. Mais je crois que ça me revient maintenant qu'on en avait déjà discuté, mais... Je trouve ça quand même inadmissible que tu ne puisses pas aller en vacances là-bas, quoi. J'espère qu'ils... J'espère, je sais même pas s'ils vont faire ça, un pack pour ça, en fait. Les vacances. À voir, peut-être qu'il y aura un pack vacances. Hein. Mais bon, vu que, à mon avis, ils travaillent sur les Sims 5, donc ça va être compliqué. À voir, à voir.
Donc là, on a. C'est la plus belle heure pour tous les Sims Radin. Tout le monde peut boire à prix réduit. C'est vrai que j'ai pas embarqué mon verre, j'ai pas tout bu. Enfin voilà. En tout cas, les amis, c'est ici qu'on va se quitter pour cet épisode. Je vous dis à la prochaine pour la suite des vacances. Et surtout, portez-vous bien. Bye bye.